produire de l'énergie décarbonée est au cœur de la stratégie d'EDF. Le digital, à travers le numérique responsable, doit être un accélérateur de cette ambition. À date, le digital, c'est 4% des émissions de CO2, mais ça s'accélère grandement. CGI, on se doit d'accompagner nos clients dans la diminution de cette empreinte environnementale, à travers la diminution des empreintes CO2 de nos propres prestations pour nos clients, et aussi trouver des idées basées sur les nouvelles technologies qui nous permettront de trouver des cas d'usage mêlant les objectifs d'accroissement de chiffre d'affaires et aussi de productivité, le fameux temps métal chez EDF, et développer des solutions éco-responsables. CGI, à travers nos 1000 consultantes et consultants, des idées, on en a plein. Alors, j'en ai plusieurs. Premièrement, nous avons analysé pour la filière SI nucléaire une partie du portefeuille applicatif permettant de leur proposer des plans d'action pour réduire l'empreinte carbone dans l'utilisation de ces applications logicielles. Deuxièmement, chez CGI, je n'ai aucune difficulté à trouver des collaboratrices et des collaborateurs qui veulent nous accompagner et accélérer le numérique responsable avec EDF. D'abord, il y a un travail d'analyse. On va regarder l'état du numérique responsable au sein de la DSI du client. On va regarder la taille des infrastructures. On va regarder le nombre de données qui sont utilisées. On va regarder effectivement le portefeuille applicatif. Et ensuite, on va rentrer dans les opérations, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on va diminuer les empreintes carbone et les empreintes environnementales sur l'ensemble de ces sujets. Un exemple, j'aimerais citer une application CGI qui s'appelle CO2Bot, qui vise à automatiser les recommandations Green IT des référentiels existants, avec un premier cas d'usage sur l'optimisation de l'utilisation de machines virtuelles d'un parc informatique pour CGI. Enfin, on lance aussi un grand programme de formation à l'éco-conception pour l'ensemble des collaborateurs de CGI en France, 14 000 personnes. Et puis, j'aimerais rappeler que CGI, nous sommes labellisés numérique responsable de niveau 1 par l'Institut du numérique responsable en France.